et j'ai toujours mes acolytes pour quand je filme. En tout cas, regardez la position que j'ai pour m'installer, je pourrais pas filmer pendant 3 plombes. Positionné comme ça, même si quand je fais les swaps, bah, je m'installe aussi comme ça, mais c'est pas pratique. Et qu'est-ce que je ferais pas pour que vous puissiez voir les loulous correctement en vidéo. Un miss. Regardez-moi cette Chippy, j'ai filé mes jouets de ma collection Chihuahua parce que en collection j'en veux plus. Donc je leur ai donné pour jouer avec, elle est déjà en train de dépouiller l'anneau en plastique. Tu l'avales pas hein. Oui, elle détruit jamais les jouets, mais elle est prise de passion de lui arracher son anneau. Mais oui, il a fallu que je fasse de la place parce que sinon je pouvais pas installer les 2 cubes que j'ai mis dans le carré. Donc pour vous faire une idée de ma caverne d'Alibaba, donc là on a les derniers fonds d'écran que j'avais acheté chez Noz. Il y a celui-là qu'il faut que je fasse. J'ai bien envie de le tourner celui-là, pour voir ce que ça rend. Là il y a les brosses magiques, j'ai les Monsieur Toutou en friandises, j'ai encore des produits Biogance à tester, j'ai la brosse Biogance à tester, j'ai d'autres friandises qui traînent ici, j'en ai là, enfin... En fait, je disais que j'avais descendu le stock, mais comme j'ai rempli de grosses boîtes, ça ne descend pas. Ouais, donc je sais pas, on va faire le tri de quelques trucs qu'on va ressortir. Faut que je regarde les dates de péremption qu'on va ressortir et qu'on va filmer dans une prochaine boîte. Mais je pense que là tout de suite, j'ai bien envie de me tester ça. Faut juste que je vois avec la luminosité si ça passe. Donc voilà, un peu de détente et de création parce que j'adore ça. Donc voilà, le reste c'est plein de trucs à tester. J'ai une caisse complète qui est remplie et je range tout ici. Mais j'en achète trop, même si j'ai limité un peu mes achats. J'ai le bordel.